Les styles. Examinons la sélection et le jeu des styles. Passez en mode style play. Plaquez un accord n'importe où sur le clavier avec trois notes ou plus. Et appuyez sur Start. Chaque style possède 15 éléments. Ceux-ci sont utilisés pour créer des parties de chansons, intro, variation, transition, fin, etc. Vous utilisez ces boutons pour sélectionner l'élément de style. Ce style est en train de jouer l'intro numéro 1. Vous pouvez même voir le décompte des mesures restantes pour l'intro. La lumière clignotante au-dessous de variation 2 signifie qu'après avoir joué l'intro, il jouera cette variation. En passant de la variation 1 à 4, les parties musicales se construisent naturellement et s'enrichissent de la même manière qu'une chanson typique évolue. Vous remarquerez que la fonction autofill étant enclenchée, une transition est automatiquement jouée dans la variation sélectionnée. Bien sûr, vous pouvez le désactiver afin qu'aucune transition ne soit jouée. Rallumez-la et appuyez sur Stop. Pour sélectionner un style, touchez Style Name et touchez le style que vous désirez. Sélectionnez Desert Shuffle, puis appuyez sur Exit. Sélectionnez Intro 1. Plaquez un accord dans la partie inférieure du clavier. Comme la fonction Split est enclenchée, une seule note suffit pour déclencher un accord majeur. Appuyez sur Start. Intro 1 contient une suite d'accords. L'intro 2 ne propose pas de suite d'accords. Il est conçu pour répondre à vos accords. Intro 3 est une courte introduction destinée à entrer rapidement dans la chanson. Les boutons de fin, Ending 1, 2 et 3, fonctionnent de la même façon. Touchez à nouveau Style Name pour ouvrir la fenêtre de sélection de styles. Les styles sont regroupés en catégories et peuvent être sélectionnés à l'écran en utilisant les onglets de gauche et de droite. Les onglets situés en bas vous amènent à davantage de styles dans cette catégorie. Sélectionnez la catégorie Ballade, puis Modern Ballade 1. Appuyez sur Exit. Jouez un accord dans la partie basse du clavier, puis appuyez sur Start. Presque tous les styles d'usine sont configurés avec Lower Chord Scanning, qui déclenche les accords sous le point de séparation. Vous pouvez aussi choisir de désactiver la fonction Split et d'utiliser Full Chord Scanning, qui déclenche les accords n'importe où sur le clavier. Cependant, les accords ne sont déclenchés que si vous jouez au moins trois notes. En mode global, vous pouvez sélectionner d'autres systèmes pour déclencher les accords. Les détails se trouvent dans les manuels PDF. Ces boutons de sélection du style vous permettent d'accéder rapidement à une catégorie spécifique. Appuyez sur Pop et sélectionnez Pop Chart 1. Appuyez sur Exit. Comme vous le voyez, vous pouvez changer de style sans vous arrêter. Plusieurs boutons et contrôles sont là pour vous aider à interagir avec les styles. Par exemple, ce bouton Memory contrôle si l'ensemble de l'accompagnement continue à jouer lorsque vous relâchez les touches ou seulement la batterie. Rallumez le bouton Memory. Manual Bass coupe l'accompagnement à l'exception de la batterie et des percussions, vous permettant de jouer de la basse en bas du clavier avec les pistes de la partie haute. Éteignez Manual Bass. Vous remarquerez que la basse du style joue toujours la note fondamentale de l'accord que vous jouez, quel que soit le renversement que vous jouez. Si vous activez Bass Inversion, la basse jouera la note la plus grave de votre accord. Dans la catégorie Ballade, sélectionnez le style Easy Ballade, puis appuyez sur Exit. Plaquez un accord et cette fois-ci appuyez sur Fade In Out. Le style s'installe progressivement. Bien entendu, en appuyant sur la touche, il disparaît progressivement. Le temps de Fade In et Out est réglé en mode global. Quatre configurations de clavier sont enregistrées avec chaque style.
On les appelle Single Touch Settings, d'où l'abréviation STS. Vous pouvez y accéder rapidement en appuyant sur les boutons STS situés sous l'écran. Touchez l'onglet STS Name afin de voir les noms et de les toucher directement sous l'écran. Lorsque vous sélectionnez un style et que ce bouton STS Mode est activé, le STS 1 sauvegardé avec ce style sera automatiquement sélectionné. S'il clignote, la sélection d'une variation sélectionnera également les STS correspondants. S'il est éteint, alors le réglage actuel des pistes clavier est maintenu. Aucune STS est sélectionnée, même lorsque vous passez un nouveau style. Appuyez à nouveau de sorte que le bouton soit allumé et non pas clignotant. Catégorie Jazz. Fast Big Band 1. Le Chord Sequencer vous permet d'enregistrer une progression d'accords et de le mettre en boucle. Juste avant le début d'une mesure, appuyez simultanément sur ces deux boutons. Vous remarquerez l'icône Chord de couleur rouge qui clignote à l'écran. Juste avant la fin de la mesure, appuyez sur ces deux boutons. À présent, la suite d'accords est en boucle et vos deux mains sont libres de jouer les pistes de clavier. Le bouton Ensemble peut être utilisé pour ajouter des harmonies au son de la partie haute du clavier, basée sur les accords que vous jouez. Vous pouvez choisir parmi une grande variété d'harmonies différentes. Appuyez sur Menu et touchez Keyboard Ensemble, puis allez sur l'onglet Ensemble. Appuyez sur Exit. Sachez au passage que vous pouvez passer rapidement à la page d'édition d'un bouton en maintenant la touche Shift enfoncée et en appuyant sur le bouton que vous souhaitez modifier. Par exemple, l'assignation d'un pad, l'assignation des switches, le paramétrage d'un type d'ensemble, etc. Appuyez sur Exit. Dans la catégorie Movie et Show, page 2, Mystery Man. Jouez un accord. Cette fois-ci, nous allons utiliser le tap tempo pour démarrer le style. Appuyez 4 fois sur le bouton pour donner le tempo et démarrer le style. À ces boutons pad, on peut assigner des sons ou bien des patterns supplémentaires qui suivent les accords que vous jouez et qui sont synchro avec le style. Ils peuvent jouer une fois lorsque vous appuyez dessus ou bien en boucle. Catégorie traditionnelle, page 2, German Polka. À droite du bouton Start-Stop, vous trouverez le bouton Synchro Start-Stop. Cela contrôle comment l'accompagnement démarre ou s'arrête lorsque vous jouez sur le clavier. Appuyez sur le bouton jusqu'à ce que Synchro Start et Stop soient éteints. Le PA900 abrite 125 effets de qualité studio. Pour mieux les comprendre, regardons comment les effets sont incorporés en utilisant le mode Style Play comme exemple. Catégorie Rock. Page 2. Latin Rock 1. Appuyez sur Menu, puis touchez Effects. Il y a deux groupes d'effets. On les appelle groupe FXA et groupe FXB. Le groupe FXA est utilisé pour les pistes d'accompagnement, tandis que le groupe FXB est utilisé pour les pistes de clavier. Les groupes FXA et B sont deux ensembles de master effets. Les master effets sont mixés en parallèle avec le signal non traité provenant d'une piste. Chaque piste peut accéder aux deux master effets et la quantité d'effets peut être réglée individuellement pour chaque piste. Vous sélectionnez ici le master effet de votre choix. Et ces onglets donnent accès à chacun des paramètres d'effet.
appuyez sur Menu. Touchez Mix Tuning. Puis allez à la page FX Send. Appuyez sur la touche Track Select, alterne l'affichage des paramètres des pistes d'accompagnement avec celui des pistes clavier. Affichez les pistes d'accompagnement. La quantité de chacun des masters effets peut être réglée ici pour chaque piste. La quantité d'effets du groupe B pour chaque piste clavier se règle ici. Appuyez sur Exit. Bien que nous ayons utilisé le mode Style Play pour expliquer les effets, les autres modes fonctionnent logiquement de la même façon. En mode Song Play, les pistes de séquence utilisent le groupe FXA, tandis que les pistes de clavier utilisent le groupe FXB. En mode séquenceur, chaque piste a accès soit au groupe A, soit au B. En mode Sound, seul le groupe B est disponible. Le PA900 est très souple, ce qui vous donne le pouvoir de le configurer selon vos besoins musicaux. Par exemple, les batteries. Catégorie Rock, page 1, English Rock. Appuyez sur Exit. Ne jouez pas d'accord. Appuyez simplement sur Start de sorte que seule la batterie joue. Vous pouvez changer aisément le kit de batterie d'un style. Appuyez sur Track Select et touchez ici. Ou vous pouvez choisir un son du kit et le modifier avec la fonction Drum Editor. Appuyez sur Menu, puis touchez Track Controls. Et ensuite l'onglet Drum Edit. Appuyez sur le bouton Track Select pour que les pistes d'accompagnement s'affichent. Touchez Select ici pour choisir la piste de batterie à éditer. En haut, vous voyez les différentes familles de batteries et de percussions représentées par des icônes. Choisissez la famille des caisses claires. Vous pouvez à présent régler tous ces paramètres de caisses claires sans affecter les autres éléments de ce kit de batterie. En fait, toutes les parties d'un style peuvent être complètement modifiées ou même créées de toutes pièces. Cependant, il est préférable de ne pas modifier les styles d'usine. Songbook est le moyen idéal pour adapter les styles à vos besoins et être en mesure de les appeler d'une manière logique et efficace, comme vous le verrez dans le chapitre Songbook. Appuyez sur Stop et Exit. Si vous souhaitez modifier un style d'usine, il est préférable de le copier dans un emplacement utilisateur, puis de modifier la copie. Dans la catégorie Dance, sélectionnez Electro Dance. Ouvrez le Page Menu. D'ici, vous pouvez copier puis coller le style dans un emplacement utilisateur ou favori. Il y a d'autres commandes utiles telles que Rename, renommer, Delete, supprimer, et une commande pour renommer les banques favorites. Appuyez sur Exit deux fois.